La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier d'Estrand. À la chronique équipement, cette semaine, on parle du fer Stealth chez TaylorMade. Et Jérémy, on parle d'un seul fer parce que contrairement aux autres années où TaylorMade dévoilait une collection ou une série de fers, cette année, il y a un seul modèle disponible. Ben, en fait, il existe les autres précédemment, oui, mais exactement. Chez le Stealth, c'est cette version-là qui existe seulement. Exactement. Cette année, TaylorMade se sont fixés un objectif, seulement un bâton pour tout type de joueurs. Vous voyez qu'il est quand même très large comme oui, bâton. Grosse semelle. Exactement. On a le Speed Foam ici, oui. Qui génère beaucoup plus de vitesse à l'impact. Aussi, ce qui est le fun avec ce fer-là, c'est comme un feeling de forgé. Avec l'amortissement écho. Ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève les vibrations du bâton. Okay. Parce que c'est un fer casse. Oui. Donc, c'est comme un feeling de forgé. Donc, c'est super cool. Il est facile à frapper. Il y a la cap back aussi, ici, qui va avoir notre hauteur oui. maximale. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que le sweet spot couvre tous les frappes possibles. OK. Donc ça, ça permet beaucoup plus de stabilité et de permission. Quand on parle de cette série-là, Stealth, le fer 7, est-ce qu'on parle d'un fer 7 standard ou d'un fer 7 qui peut s'apparenter à ce qu'on avait à une certaine époque, mettons plus un fer 6? En fait, le fer 7 Stealth est un fer, un loft très, très, très agressif. C'est un fer 7 avec 28 degrés. Oh! Donc, c'est vraiment un strong loft qui va faire quand on va frapper un petit peu moins haut, mais une trajectoire très perçante. Et c'est un fer qui est extrêmement explosif. Donc, hey. Les distances maximales. Et évidemment, on a la longueur de tige d'un fer 7, exactement. Mais c'est presque un angle d'un fer 5 standard. Exactement. Oh, oui, c'est exactement ça. Donc, pour les ça, gens. Ça peut aussi expliquer pourquoi on obtient des distances plus grandes avec ce bâton. Oui, exactement. Très long. Bien, c'est sûr que c'est un bâton qui est vraiment fait plus pour les gens qui manquent de distance ou qui veulent de distance. Ça, c'est bien évidemment. Mais c'est pas un bâton qui est difficile à frapper. C'est un bâton qui est facile à frapper. Même un bon joueur, peut-être qu'il aimerait ce feeling-là et pourrait jouer avec ce bâton-là. Fait que c'est ça qui est le fun. Même si il va frapper très loin, on peut quand même réussir à garder nos distances avec ce bâton-là. Jérémy, merci pour tes conseils. Ça me fait plaisir, Dan.